Bon, je ne connais un dossier en pile dans le pays. Nous connaissons depuis après le président américain Joe Biden a lancé un programme pour permettre de gagner 30 000 migrants, pas seulement haïtiens, mais de l'autre nation qui ont même gagné accès, depuis qu'ils ont gagné une famille, une amie qui est aux États-Unis, qui a capacité, qui a sponsorisé 30 000 personnes chaque mois. A bien possibilité pour rentrer aux États-Unis d'Amérique. Depuis après annonce ça, en pile monde tout partout dans pays a yo fou, en pile monde tout partout dans pays a qui pas correct a chercher possibilité pour comment yo capable mettre au correct par rapport en pile monde pas gagner pièce, en pile monde pas gagner passeport. Donc, nan en pile, bureau immigration nan pays a, moun yo dormi, moun yo fait journée pour garder comment yo capable faire passeport. Gayen organisation n'a marché pour la vie. Yo fait des révélations qui choquent. Yo t'a fait quoi dans un pile bureau immigration dans pays ya? Des agents immigration ou bien des monde qui a facilité monde pour yo faire passeport. Yo eh ben exiger pour yo coucher mesdames. Bon, la grave. Et pays a difficile, tout le monde en vie partie, tout le monde pas vle rete là encore parce que bagay yo drôle. Tout le monde ta remet al kay Biden yo ta remet atterri sou Biden. Donc ça qui la cause d'après n'a marché pour la vie. Mesdames yo obligé bay là pour permettre yo gagner accès avec document ça qui extrêmement important. Mais ça c'est extrêmement grave si nous arrivons nan niveau ça. N'a marché pour la vie également, yo t'a fait quoi pour moun yo gagner possibilité pour yo joindre passeport ça, document ça qui extrêmement important. Yo t'a fait quoi gagner des policiers nan pile centre ça yo. Yo exige avec moun yo 50 à 100 000 goud pour yo joindre passeport. Bagay yo en pile dans pays, bagay yo grave dans pays, pas gen bouche pour ne parler. Pas oublier, TV pays a toujours là pour informer. Dans pays ça gen des nèg, y a des nèg qui gen garçon dans garçon yo, gen des nèg qui gen pour viet nan pour viet yo. Gen un policier qui nan bim. Nous connaissons dernier temps ça yo gang yo comprendre. C'est eux même qui gagne tout pouvoir, c'est eux même qui gagne toute autorité dans pays a. Yo attaquer n'importe moun yo vle. Yo touyer n'importe moun yo vle. Yo kidnapper n'importe moun yo vle, le yo vle. Ça drôle là. Gen des moun qui kon coucher en dans la caille. Nèg examen ale yo tou yo kidnappé ou. Sa drôle encore, yo kon même kidnappé les policiers. Hier soir, genyen un groupe nèg exam ka l'attaqué un policier bim qui c'est Xavier Seyd. La Kaili dans zone Thomasin dans pays d'Haïti. Yal attaqué, yo pensé c'est n'importe moun yo pral attaqué. Eh ben, Xavier Seyd mettez garçon couché. Gen des nèg qui pas joué. Gen des nèg qui gen ponyèt, gen des nèg qui capable. En pile moun nan pays, en pile moun à l'étranger, en pile moun qui tout partout yo bat bravo la contentement parce que Seyd Xavier mettez environ 9 vagabonds couchés.
Bon, mais espérer nèg ça yo getan bien loin pour aller yo nan sommeil éternel, y a pé filé des sang. On est te cou Xavier Seyid jodi a responsable yo nan PNH la doit prendre des responsabilités pour yo encadrer. Et parce que c'est une nèg qui ka campé goumen avec bandi kaptaye banda lè yo vle yo assassiné, lè yo vle yo kidnappé, yo violé et jodi a yo joine à Zogrenyo. En tout cas, Xavier Seyid, bravo garçon. Pas oublier partager, abonner avec TV Pays. N'a pas tout détail. Depuis cette nouvelle qui gagne dans pays, TV Pays a porté la caillou.